couleur, en fait, de la chanson avant tout, quoi. On a un texte, après, Zitoun, il va arriver avec un côté très rock. Ah si, il y a des couleurs, mais il y en a plein. Des couleurs, mais il y en a énormément. Vous sautez du reggae au... Je crois que déjà, chacun dans nos groupes respectifs, on essaie d'aller aborder plein de couleurs de musique ou d'atmosphères différentes. Et en plus, là, on vient chacun avec des petits morceaux de nous, ce qu'on est dans les groupes dans lesquels on peut jouer ou à côté d'ailleurs en faisant d'autres choses. Enfin, voilà, on est venu chacun avec nos chansons, celles qu'on avait envie de bosser aussi en commun. Donc ça va amener vraiment dans le spectacle, je pense, plein de couleurs. Ça va aller de la valse au reggae, au hip-hop, parce qu'il y a, là, il y a un chanteur qui n'est pas là, mais qui s'appelle Ali, qui est sur Rennes et qui est voilà, qui a quand même un répertoire chanson hip-hop. Et donc voilà, il va y avoir pas mal de couleurs. C'est le but aussi. Le but, c'est de voyager et dans les textes et dans les voix de chacun, parce qu'on a quand même des voix très particulières, on les reconnaît. Et puis les différentes couleurs qu'on peut amener aussi dans chacun de nos chansons. L'église, c'est surtout le reggae, par exemple, vraiment. Ça se bouge pas que. C'est ça, c'est les locks. C'est assez compliqué. Déjà, nous, ça fait 10 ans qu'on joue ensemble. Et avant, on faisait déjà de la musique. Et il y a 10 ans, le Pied de la Pompe, c'est notre deuxième ou troisième projet déjà ensemble. On a monté ça il y a 4-5 ans maintenant déjà. Ouais. Et il se trouvait qu'on arrive à vivre de la musique. On a cette chance-là. C'est un privilège. Hein. On vit de notre passion. Même si on n'a pas le droit de se plaindre, des fois c'est difficile, mais c'est plus que génial. Quoi. Donc en effet, on essaie de garder, de pouvoir continuer à vivre de la musique. Et rien que pour ça, il faut créer des projets. Donc évidemment, on ne peut pas le faire avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc c'est des rencontres, c'est des amitiés qui se créent, comme une petite famille. Et on monte des projets, on fait de la musique, il faut qu'il y en ait un qui écrive, l'autre qui fait peut-être un peu plus de la musique, ou des fois tout le monde écrit, comme dans La Ruquette, où il y a des groupes comme ça, enfin bon bref. Et le truc c'est de tenir le plus longtemps possible, et de continuer à s'amuser, surtout, et de se faire plaisir, et faire plaisir aux gens. Donc pour ça, évidemment, pour pouvoir continuer à vivre de ce qu'on fait, il faut faire des disques, parce qu'il faut des produits d'appel, entre guillemets, il faut que les gens puissent écouter, etc. Donc on fait des disques pour faire des concerts, on fait des concerts pour peut-être vendre des disques qui amèneront des concerts. Et il faut continuer, puis c'est tout le temps comme ça, ça fait, pour nous quatre, là, ça fait entre 15-20 ans qu'on est sur les routes et qu'on s'est dit un jour, tiens, on va monter un groupe et essayer de faire quelque chose qui tient la route et qui nous botte, quoi. Voilà. Ouais, c'est notre métier. Ouais. C'est un métier. Hein. Même quand tu fais la rue. Ouais, ouais. Non, mais des fois, on se défendait de le dire. Surtout, moi, à mon père, par exemple, ça n'était pas facile. J'avais trouvé une glace à Maison de Renault, moi. Mais il m'a dit, il y a 50 000 groupes en France, lâche la merde. Et là, mais on en fait plein de projets. Pas un groupe seulement. Ça peut se multiplier. C'est une passerelle, en fait. Faire des spectacles, c'est une passerelle de la société où on vient partager. Même des peurs, parce qu'il n'y a pas que le bonheur hein, sur scène et tout. Enfin, il y a des choses graves à dire et c'est une chance de pouvoir être des fils conducteurs de certains courants parce que des fois, il faut bien que ça serve il faut sonner l'alarme, quoi, des fois, de temps en temps aussi. Donc, du coup, se regrouper pour le faire, ça sonne encore plus fort. Ouais. Des contrats. Bon, en fait, on a un tourneur donc, pour les concerts, etc. C'est le tourneur qui s'occupe des contrats, etc. C'est nous. Nous, on a Pierrot qui est là, qui fait la régie, qui nous dit là, vous montez dans le camion. Là, vous montez votre matos. En fait, on ne s'occupe pas. Personne signe les contrats. On n'a pas de contrat entre nous. Tu vois, Zitoun ou Ali ou Guiz, etc. Parce qu'on se dit voilà, on se cache dans les yeux, ça va marcher comme ça, on fait ça comme ça. Mais dans une équipe, il y a chacun à sa place. Et tous les techniciens là, pour avoir évidemment le spectacle, l'aspect artistique et tout, mais là, et la logistique, tout est préparé aussi par des petits tourneurs, hein, même si c'est pas des gros, mais au moins eux ils ont que ça à faire, et donc voilà, comme ça chacun. Parce que sinon, là, il y a une petite structure où il y a un gars qui prend son téléphone, qui vend le spectacle, dans les squats, qui signe les dates, qui redonne l'info à Pierrot ici présent, et Pierrot, lui, ce qu'on appelle un régisseur de tournée. Lui, il fait le pont entre les artistes et les gens qui organisent les spectacles.
Voilà, c'est lui qui va aller ramasser l'argent après, qui va aller voir s'il y a bien le matériel, s'il y a à manger, s'il y a suffisamment à manger, si on a bien, on est hébergé correctement, si, qui va faire tout le, voilà, tout le cocooning un peu de la tournée. Nous, effectivement, on s'occupe de travailler la musique et d'aller là où on nous dit et d'être à l'heure. Thank you.